Bonjour tout le monde. On t'est rendu où dans ça là? Arrête dans le trou. C'est ça qu'on t'a rendu. Tenter sa chance. Ce que j'ai mis comme ultimate, moi, là. C'est quoi ça? Quelque chose d'intéressant. On est proche. Salut, chasseur de l'arche. Clé vipère à la poubelle avant l'heure. Et maintenant, crève! Merde! Oh, si j'étais avec toi, je pourrais facilement pirater la porte. Parce que je suis un mec cool. Oh, attends. J'ai une idée. Je peux prendre le contrôle à distance d'une de ces mères charmantes et te rejoindre. Choisis-moi, Emile. Mes points sont prêts. Yippie-kai. Lancez en vie, Romain.
Wow, enfoiré. Ça doit être la boule rose que j'ai vue. Oh, elle est parfaite! Tellement moi, Rhys! Rhys! Très bien. Branche la clé vipère. Ok. Clé vipère. Pour savoir à tout moment ce que vos voisins disent de vous. Un produit Atlas. Moderne avant l'heure. J'y suis. Oh, propulsion anti-gravité, sympa. Oh, et la voix est pas mal, non? Y a rien qu'à changer, hein? Allez, on s'en fout, ressaisis-toi. Merci, hein. Je crois que je vais vite m'habituer. Je tiens à signaler que ce n'est pas une sonde. Alors, pas de blague de mauvais goût. À l'huile de Skag et de cabine privée avec nos hôtesses robotiques. En toute intimité. Oh, ça c'est ma carte. Cette histoire de mineur en détresse, c'était un tracteur. J'arrive en bas et j'entends Aslan de Vega crier en haut du puits. Ça t'apprendra à me voler ma part de Léon. Là, il balance une grenade et tout mon tunnel s'écroule. Quand vous êtes célèbre, il y a toujours des chacals qui cherchent à vous buter pour de l'argent. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par refaire surface. Aslan était au bar, déjà en train de fêter ma mort. Je lui ai piqué ses clés quand il avait le dos tourné, et je suis parti avec son vaisseau. Ha ha. La traîtrise d'Aslan ne connaît donc aucune limite. Ces événements ont eu lieu il y a des décennies, mais je suis outré au plus haut point. Oui, la cache. Ah, là, on a une place. Pauvre prétendante, un trône vide, en voilà, dans une tombe précoce. Belle Jackie. Ça m'a quoi, elle? C'est complètement dingue! Personne ne va jamais plus
carré. C'est ça que tu veux? Le beau Jack est le plus grand dictateur de tous les temps. Je ne fais confiance qu'au meilleur robot. T'es toi. The Dead Deadly Numble Jack. Va falloir être au top de la forme pour exploser ses cinglés. Dégâts, coups critiques. Oh. J'aime ça. C'est quoi ça t'as trouvé dans cette map-là? La cachette de typhon puis un claptrap décédé. La cachette de typhon est là. Puis le claptrap décédé peut être n'importe où en fait. Ah! What the fuck? Tain-toi. Clap-trap est dead-set.
Il reste un. Je vais voir le clap-clap, il y en avait un ici. J'ai besoin, faut que j'aille là. Pas quand même, mais... Mais quel talent!
Niveau 22. Y'a rien qui est pas Jacob, hein, ça. Y'a rien de Jacob dans ces affaires-là, je trouve. Se sont enfuis quand j'ai pris les commandes. Et je rêve d'une petite réunion de famille. Merci. Rien ne vaut la famille. Ok, c'est pas mal. Mais il nous faut plus que ça. Rejoignez le centre de données. C'était là que je devais aller, mais... Ne m'en voulez pas. J'ai besoin d'un petit coup de main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'essaie de faire. Sur le Zanara, mon yacht personnel. Je vous préviendrai quand nous aurons la clé de l'arche. Veillez à bien remplir votre part du contrat ou je descends votre famille. Ah, c'est ça. On verra bien quelle famille tient le plus longtemps, tirant des tiroirs-caisses. Profitez bien de la guerre. C'est une bonne casserole. Mais pas de quoi rompre l'alliance. On va pirater le système pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. Bonjour, monsieur Katagawa. Saisissez le mot de passe. Ok. Le mot de passe. Une seconde. Essayez Zanara 1, 2, 3, 4. Mot de passe erroné. Indice. Sœur. Hostilité. Merde. Ah oui, ça y est. Naoko doit crever comme une chienne. Tout collé, en minuscule. Mot de passe accepté. Ouverture du coffre de données personnelles 35. Wow. Génial. Quand on aura envoyé cette dernière grappe de données à Atlas, ma mission sera accomplie. Et je pourrai mourir. Transfert des données vers serveur distant. Bon. Maintenant que le contrat est signé, je voulais vous demander... Un duo classe comme vous... Comment ça se fait que vous dirigez l'armée, disons, la plus abrutie de l'histoire? Bah, tant qu'elle fait ce qu'on lui demande. En plus, ça fait un garde-manger mobile qui obéit au doigt et à l'œil. D'accord, d'accord, mais franchement, c'est une bande de sauvageons. Ça ne vous dirait pas de viser plus haut? Vous pourriez rejoindre les affaires. Notre armée nous paie pour avoir le privilège de mourir pour nous. Vous pensez vraiment qu'on peut faire mieux? C'est de plus en plus croustillant. Mais Maliwan se doute de quelque chose. Défendez-vous pendant l'envoi des données. C'est bon, c'est fini. D'accord,
Tain, toi! Ça plaisante. Donnez mon truc que j'ai ramassé. Non, il est là, ok. Vous n'avez pas la nausée en les regardant. J'en ai vu un l'autre jour qui portait un collier avec des espèces de langues. Ouais, des langues de Skag. C'est la grande mode chez les gamins, apparemment. Oh là là, vous êtes tellement naïf. Ma famille se bat pour moi. Elle se sacrifie pour moi. Elle se bat pour mon amour. C'est là que vous vous fourrez le doigt dans l'œil. La famille est la force la plus puissante de l'univers, à condition de savoir s'en servir. Maintenant, je vous suggère de détaler et de me trouver la clé de l'arche avant que j'ai un petit creux, Junior. Ah merde! Encore la sécurité! Ah, ça devient captivant! Ah, si seulement j'avais du pop-corn pour mon dernier repas, tout ça... On nous attaque! Envoyez des renforts! On est là! Je suis prête à lutter. On est plus forts ensemble. Au moins, Raph trouve les bandits qu'elle est. Ma poupée! Ah, j'ai quelque chose. Assassin. Belle Jackie. Ça m'a donné un Hyperion. Puis un Snipe. Probablement moins bon que ce que j'ai, là, mais... En effet. J'aurai gagné cette guerre. Je vais inviter ces calypsos sur le Zanara et leur trancher leur tête de con. Et après ça, je ferai massacrer tous leurs crétins de fidèles jusqu'au dernier. On va les laisser se battre. Ils se battent entre eux. Ah, je vais les, d'accord. Ensuite, on enverra ces données pour analyse au QG. Ok,
pense que les soldats, les bandits se sont fait tuer assez vite. J'aime pas tuer un Chris. Ben, juste une, peut-être sur le bord, mais. On va diffuser ça dans toute la ville. Ça suffira peut-être à renverser la vapeur. Oh, oh, c'est quoi? Cette lumière? Ah ouais, j'ai failli oublier. Votre récompense. Mission accomplie. Il est mort? Es-tu mort? Ça, je l'ai déjà. Ok, on va y détruire les serveurs. C'est chaud en haut, ça. Yes, c'est ça, arbalète. Bouge pas. Un doux qui est dans ça ou c'est un robot? Tu veux rien lâcher, c'est ça, Rhys? Ok. Dis adieu à ton marchand de glace préféré. Ah, les glaces de Fran! Tout! Sauf les glaces de Fran! Chez Fran, il rajoutait des fruits frais dans le fond! Dans le fondu! Oh mon dieu! Oh merde! Ah, il y a du pep. Reculez. Oh, je viens de faire une grosse erreur. C'est absolument sublime. Enfoiré. Ugh!
Wow. Let's go. Bon, ça suffit. Si on n'arrête pas le laser de Katagawa, il va transformer le QG d'Atlas en duplex. Et un PDG, ça vit pas dans un duplex. Enfin, celui de Tenure, peut-être. Je veux dire, il vend des merdes avec des gâchettes. Des os, pas des os. Je m'en remets pas pour Fran. Mais c'est le sort de la planète qui est en jeu. Bon, on chiera plus tard. Tedior. Personne n'aime Tedior, vous avez. Bon, alors je t'explique. De contrôle, on prend le fragment de la clé et on coupe le laser. C'est cool? C'est cool. Top là. Ah non, je peux pas. Ok, c'est quoi? Un assez gros robot pas fin? Oh, mais pourquoi j'ai pas pris une sphère de mort? Elle sert à rien, cette sphère de plaisir. Tu sais quoi? Je vais te mettre un peu de musique pour te donner envie de tuer. Rien que pour moi? Oh, allez pas. La musique, tu vois. Zanara. Interrompez immédiatement la séquence de tir. Sécurité, faites quelque chose. Tire du laser dans 3, 2, 1. Sayonara.
franchement, quoi. On peut quand même bien se faire péter des objets personnels entre potes d'OPA hostile. Ok, ok, une seconde. Très bien, t'as plus qu'à prendre ton fragment. Yeah. Le voilà. Le fragment. Vas-y, Chris Bull, non. Katagawa Bull, Bulldain. Oh shit. Oh oh, j'aime pas ça. Je savais qu'il y avait un boss. Chaque zone a au moins un boss. Je pensais que c'était un gros Transformer, je me mettrais compte, mais non, c'est une boule. You! Trois barres de... Ah, il fait mal, il fait mal. Facile. C'était pas mal plus facile la dernière phase. C'est un boss, tout le monde. C'est plutôt le fun. Bien joué, Iris. Merci. Mais faut pas oublier le héros tombé au combat. Repose en paix, Iris Paul. Repose en paix. C'est le deuxième fragment de la clé de l'arche. Apportez-le-moi à bord de Sanctuary. On va à Sanctuary, on n'a rien d'autre à faire ça. Katagawa Bull. Apportez-moi le fragment de la clé au labo, chasseur de l'arche. J'ai toujours été étonné par la taille de ces fragments de clé. Les Iridiens étaient peut-être
être plus grand que nous, ou plus fort. Je vais examiner ce nouveau fragment en privé. On rembourse pas. Soutiens les petits commerçants. Vends à Marcus. Tiens, c'est grand. J'ai les meilleurs plans de la ville. Si ta gâchette fait clic, faut que tu rappliques. J'aurais plus d'amour propre si j'avais plus de followers. Changer, j'ai acheté un pack de personnages pour la sirène. Bandit avec ça. Je suis prête pour les photographes. Là, j'ai un truc que je peux donner à Earl en bas. C'est le marché noir ici. Alors achète un truc et dégage. J'ai un truc pour toi. Mon pied au derge. Reste pas gros. Et la prochaine fois, apporte des putains de fleurs. On a raté quoi, deux morceaux? Viens me parler sur le pont. C'est aussi bien que je connais. Maliwan a saccagé ma planète et ce Katagawa est un gros connard. Je suis à deux doigts de balancer ma mitraillette par le sas. T'as mis une sacrée raclée à Maliwan, recrue. Grâce à toi, Atlas va peut-être réussir à survivre à cette guerre. Mais on ne doit pas perdre l'arche de vue. On doit la trouver avant les Calypso. C'est ça, notre mission. C'est un nouveau gun. The Refined Star Killer. On va contacter Rhys. Apparemment, il a des infos sur le dernier fragment. J'appelle Rhys Stormfork. Ça, c'est un nom cool. Je parie que personne venait emmerder ses ancêtres. Salut les gars. Merci du coup de main avec cette histoire de laser. Ça fait du bien au moral. Pas de problème. Bon, tu disais que tu sais où se trouve le dernier fragment de la clé? Alors, surtout, t'énerve pas. Le troisième fragment de la clé est ici, au QG d'Atlas. Et tu nous caches ça depuis le début? Je t'avais bien dit qu'on pouvait pas faire confiance à un type portant une moustache. C'est une moustache de terre, ok? Les fragments de clés, ça vaut des milliards. Rien qu'avec les bénéfices de la recherche, Atlas aurait pu garder la tête hors de l'eau des décennies. J'ai déjà fait quelques expériences, des tests en bouche, hein, ce genre de trucs. Mais à ce stade, il te revient. Je te spoil pas, mais j'espère que t'aimes quand ça pique, hein? Viens me voir au QG. Je vais dire à Zéro de t'ouvrir l'entrée VIP secrète. Tiens, mais qui voilà ?
Ok, fait que là, il faut retourner. Il n'y a pas de side quest, ça. Il faut retourner à Prométhée. On retourne à Prométhée. J'ai hâte de finir cette place-là, honnêtement. Approche-toi de l'entrée VIP secrète et Zéro te fera entrer. Katagawa dit plus rien. Il doit toujours être en colère quand lui a explosé son yacht. Ce crétin est sûrement en train de chialer dans son jacuzzi en chocolat ou je ne sais quelle connerie. Super fan ! Oh, ça te dérange pas trop si j'écoute. Faudrait que tu revoies l'encryptage de ton écho. J'ai parlé à Katagawa. Il pensait pouvoir gagner la guerre depuis sa piscine anti-gravité. Alors, je l'ai poussé un peu. Je l'ai poussé un peu. C'est où faut que j'aille? À l'autre bout du monde. Ça doit être trouvé. J'ai déjà oublié qui tu es. Un petit combat? Ça donne la balle. Classe HQ. Un autre zone. C'est bien gros, cette zone-là. C'est raisonnable. On a une cachette de typhon, clap-clap de CD, trois enregistrements et une radio. Oui. Dans mon bureau musée aquarium de compétition et je te donnerai ce délicieux fragment de clé. Bon bah j'ai plus qu'à trouver où Zéro a disparu. Doucement Liam, le chasseur de l'arche est avec moi, en VIP. Ouvre-lui. Oh désolé, waouh, un vrai chasseur de l'arche. Tout de suite chef. Bienvenue chez Atlas. On a dû tout reconstruire de zéro. Il restait plus rien quand je suis arrivé. Juste du verre pilé et des lettres d'huissier. Sympa, Saris. Je vais prendre un immense plaisir à tout regarder brûler. Arrête un peu, Katagawa! Tu tiens plus la ville, le fragment de la clé t'a filé entre les doigts, et maintenant t'es en train de lâcher prise sur la réalité, ce qui fait trois mains métaphoriques. Tu passeras jamais mes tourelles de défense.
crois que c'est pas des affaires cachées ici. Truc de typhon ici. Fait que je peux pas monter là. Ça, c'est intéressant comme gun que j'ai. Ça fait du dégât. Bon,